messieurs, bonjour, bienvenue dans ce dernier numéro d'Arobase avant la pause estivale. En effet, dès la semaine prochaine et jusqu'au 27 août, vous pourrez voir des rediffusions de quelques-unes de nos émissions. Dans ce numéro, nous parlerons musique avec le groupe Void Ployd qui sort son album, un groupe talentueux et clairement atypique. Nous parlerons aussi de la sortie du nouveau Spider-Man que vous pouvez voir au Cinéma Capitole de Nyon. Mais pour commencer cette émission, c'est de performance que nous allons parler. En effet, Marie-Aude Guignard, comédienne et metteur en scène d'Alamand, proposera dès le mardi 10 juillet au Festival de la Cité de Lausanne une installation vivante et participative sous forme d'aventure ludique. Un projet ambitieux qu'elle a créé avec sa compagnie Bonsoir la Compagnie et qui propose une vision différente du festival, de l'art et du quartier de la Cité. Nous l'avons rencontré et suivi lors des préparatifs. Rencontre. Voilà. Alors j'avais envie de tout de suite poser deux trois petits codes. C'est vrai que la première chose que j'ai faite toute seule s'appelle Sincèrement Diana. C'était pour les quarts d'heure des Printemps de Sévelin en 2011. J'avais proposé à Joël Fontana, qui est une comédienne, de travailler avec moi. Et j'avais envie de travailler sur, en quelque sorte, une imposture. Quand on est sur scène, on peut affirmer des choses qui sont vraies uniquement dans le temps de la représentation. Ouais, je trouvais rigolo de profiter en fait ce moment d'imposture qu'est la représentation pour affirmer que j'étais une chose invraisemblable, à savoir le sosie officiel de Diana Ross. Oui. En me disant, tiens, est-ce que finalement le spectateur qui est très au clair avec les codes de la représentation, c'est-à-dire qu'il sait très bien que ce qu'il voit c'est de la fiction, est-ce qu'il a besoin d'avoir une vraisemblance, c'est-à-dire une personne qui serait typée comme Diana Ross, qui danserait comme Diana Ross, qui chanterait comme Diana Ross, pour pouvoir y croire, ou est-ce qu'il pourrait éprouver du plaisir à voir quelqu'un qui ne ressemble absolument pas à Diana Ross, ne chante pas comme Diana Ross, ne danse pas comme Diana Ross, mais se donne tous les moyens pour y parvenir. Et alors là, par la suite, nouveau projet, le fil. Alors l'envie, c'était de proposer aux festivaliers de déambuler dans les rues. On a deux rues à disposition, la rue Vuillermet et la rue Cité derrière. Le festivalier, pour le coup, a besoin d'avoir un carnet de route. Dans ce carnet de route, il a des énigmes. Chaque énigme correspond à un poste. Du coup, en fonction de l'énigme qu'il a sous les yeux, il va trouver un lieu où il va pouvoir assister ou participer à une petite scène. Un passant peut passer devant la scène sans pour autant se rendre compte qu'il est en train d'assister à ce qu'on a défini comme étant un petit événement à regarder et à contempler, pour X raisons qui sont décrites dans le carnet de route. Du coup, le festivalier participant ayant un carnet de route en main a un accès privilégié à certains lieux et un regard privilégié ou un regard particulier sur des petites scènes. J'aimerais bien entendre Prisca en fait. Cette installation, puisqu'il s'agit de ça en fait, une installation vivante, réunit 40 personnes dans 15 lieux différents. J'avais envie que tout ça crée une sculpture dans l'espace public. Du coup, chaque équipe va dérouler un fil du premier endroit qu'il va visiter au dernier endroit qu'il va visiter, de sorte que la rue soit agencée de trajectoires visibles en fait, ouais, grâce au fil jaune. Ouais. Voilà. Et ce sera évidemment démonté tous les soirs. Quand on vit le Festival de la Cité en tant que spectateur, on a tendance parfois à oublier que c'est des vraies habitations qui sont autour de nous avec des vrais gens, ouais, qui ont une vraie vie quotidienne, quoi. C'est aussi ce qui m'intéresse plutôt, et c'est peut-être là ce que j'aurais pu dire par rapport à Sincèrement Diana, le projet dont je parlais avant, c'est qu'on est de nouveau sur deux plans de réalité en fait. La réalité de la scène, ou en tout cas de l'événement, et la réalité du quotidien qui cohabite en fait dans un même espace pour le coup là, dans le cadre du Festival de la, ouais, Cité. J'ai eu envie de me dire, tiens, dans le cadre du Festival de la Cité, on va proposer à un public de découvrir en tant qu'événement des scènes du quotidien.
À savoir, on va inverser la dynamique. Plutôt que ce qui soit intéressant et spectaculaire, ce soit ce qui est programmé dans la rue. Là, ce qui est intéressant et spectaculaire, c'est en fait le quotidien d'un quartier. C'est une scène intimiste du quotidien, en fait. C'est assez rare de découvrir l'intérieur de la cuisine de quelqu'un quand tu ne le connais pas. Puis là, en fait, curieusement, l'architecture s'y prête, l'architecture du lieu. Et on assiste à une scène de cuisine, d'une personne qui cuisine, en l'occurrence des biscuits. Le fil, en fait, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et qui est une sacrée aventure à mettre en place, parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est un projet qui est à la fois une création, qui travaille avec le tissu social d'un quartier. Donc je travaille pas avec des gens dont le spectacle est leur métier. Donc je dois composer avec ça aussi. Et puis en même temps, c'est une création qui est inscrite dans le cadre d'un festival, qui est le Festival de la Cité, donc, qui met en scène, comme je disais, les habitants d'un quartier dans leur appartement ou dans leurs immeubles. Ça m'a permis de tout d'un coup rencontrer un quartier un peu, enfin la population d'un quartier. Et puis ça permet à des gens en fait aussi de se rencontrer entre eux. Oui. Puis c'était aussi l'ambition du travail, c'est-à-dire de tout d'un coup créer une émulation de quartier autour du projet. C'est du 10 au 15 juillet exactement, donc pendant le Festival de la Cité. Le rendez-vous est donné à 17h45 dans la rue Villermet. On aura un espèce de petit stand improvisé qui sera donc tout simple, hein, deux tabourets pour le départ et les inscriptions, ça veut dire la distribution des carnets de route. Vous trouverez toutes les informations utiles sur 2012.festivalcité.ch. Le groupe Void Ploy se produisait dernièrement à la Fête de la Musique de Nyon. Le duo sort aussi un album, quelque part entre rock, pop et électro, entre poésie, trash et humour décalé. Une excellente surprise, nous avons rencontré le Nyonnais Fred Achadourian, l'une des têtes pensantes et producteur du projet. Chez moi. J'ai commencé en fait la musique vraiment à l'âge j'avais 14 ans je pense, par la guitare électrique. En fait j'ai commencé à faire de la guitare sur le violon de mon grand-père, ce qui n'était pas très content d'ailleurs. Ouais. Musicale de ce projet, c'était j'ai acheté des boîtes à rythme modifiées par des types qui font ça à Londres, donc ils récupèrent des vieilles boîtes à rythme des années 80, genre TR-707 et autres. Et c'est super inspirant parce que évidemment ça n'a plus rien à voir avec le son de la boîte à rythme d'origine, donc il y a plein de choses qui arrivent que tu n'as pas demandé. Vraiment dans le trip un peu 60s, 70s, comme ça, avec beaucoup de reverb un peu loin. Ouais. Vieux son de guitare vintage, tu vois. Ouais, tout à fait. Mélangé avec ça, c'est... Et en fait, ça va plutôt bien ensemble, je trouve. Mais il y a des fois des morceaux avec des formats un peu pop. Il y a quand même des fois des refrains en anglais. Ouais. Et c'est aussi un peu industriel à cause de ces sons de boîte à rythme qui sont quand même un peu trash, quoi. Ouais. Moi, j'ai un pote à l'usine qui est venu voir le concert et qui m'a dit... ça lui faisait penser à un mélange entre Renault et Kraftwerk. D'accord. Pourquoi pas? Je suis sur une terrasse avec Alex. Derrière lui, il y a cette fille magnifique. C'est Patrick Fellet qui fait les textes. Et qui chante. Ouais. Et au départ, donc, on a commencé. Moi, je lui ai envoyé quelques instrus. On avait envie de travailler ensemble. Moi, j'avais envie vraiment de quelqu'un qui chante en français. Puis il a commencé à me renvoyer des textes.
Je crois que le premier, c'était justement dans les WC, ce qui a planté la couleur d'entrée par rapport au reste des textes qui allaient arriver, quoi. Dans les WC, j'ai vu couler le fleuve amour entre les jambes d'une demoiselle. Elle était magnifique. Elle avait la culotte sur les chevilles, mais de l'urine lui coulait le long des jambes. Bah, j'étais vraiment content de ça parce que c'est... D'abord, je trouve qu'il écrit des super textes. Je le connaissais déjà un peu avant avec Charlotte parfois, Charlotte peut-être. Et après, au fur et à mesure, justement, on s'est rendu compte que les thèmes qu'on abordait, c'était des choses qui n'étaient pas souvent abordées dans la chanson française. Et du coup, lui, il s'est complètement lâché. Il y a vraiment un peu de tout, quoi. Et c'est du 15e degré, évidemment. Ouais. Et c'est jamais du vécu. Ouais. Et le projet a assez pris assez vite tout seul en fait sa direction quoi. Ouais. Et je pense des fois il faut faire gaffe à ça. Pas trop avoir le contrôle non plus. Ouais. Surtout, mais se rendre compte s'il y a une direction que le projet veut prendre un peu tout seul comme ça. C'est un peu une troisième personne qui arrive là au milieu. Hein, ouais. Et puis le laisser faire sa vie. Quoi. Dis-moi que tu, dis-moi que tu, dis-moi que tu, tu, dis-moi que tu, dis-moi que tu, dis-moi que tu. Sur ce disque, qu'est-ce que tu peux m'en dire? On a gardé 13 titres, parce qu'on avait en fait pas mal plus de titres que ça. D'accord. Donc les autres, on les fait en live. Hein. Ouais. Il y a pas mal de trucs pop, un peu des références aux années 80, des trucs un peu punk, comme je disais avant, par rapport aux boîtes à rythme, il y a des trucs pas mal industriels comme ça. Mais il y a toujours un petit côté pop, quoi, je pense, aussi dans les voix. Il y a des morceaux chantés, il y a des morceaux où ils racontent des histoires. Ça passe de trucs un peu obsessionnels, avec des musiques plus répétitives, à des morceaux avec des formats un peu plus pop, plus d'accord aussi. Ouais. Je rentre à la maison au petit matin, ma mère me dit, ma belle, que vas-tu faire de ta vie? Oh maman, nous ne sommes pas les... Et alors ce disque, on peut se le procurer où? Ouais, alors sur iTunes, en téléchargement. Sinon, vous pouvez aller sur le site, donc c'est voidploy.ch pour commander le disque, pour l'avoir physiquement. Mais il est distribué par Discoffice, donc il devrait être dans les Fnac, j'imagine, les points de vente normaux, quoi, s'il y en a encore. Et vous pouvez écouter l'album aussi sur le site. Spider-Man revient sur les écrans dans un nouvel épisode. Le film est un reboot qui entend re-raconter l'histoire depuis le début et faire table rase des trois précédents films. Exit donc Sam Raimi et Tobey Maguire et on peut dire que c'est bien dommage. Nous l'avons vu ce mercredi, compte rendu. Si l'idée de tout reprendre à zéro à peine 10 ans après le premier numéro de Sam Raimi était en soi déjà une belle idiotie, quand on voit le résultat, on se dit qu'il s'agit ni plus ni moins d'un caprice à 260 millions de dollars. This life is not an easy one. Who are you? Tout est réuni pour ruiner le travail magnifique des précédents volets, à savoir rendre attachant et crédible un homme qui saute d'immeuble en immeuble habillé d'un pyjama. Ici, justement, tout nous rappelle que nous regardons un film au concept inepte et marketé pour plaire aux ados, avec humour à deux balles, histoire d'amour au premier degré et chanson pop pour bien illustrer la vie au collège de Peter Parker, au cas où on n'aurait pas compris. I gotta stop him. Do you think what happened to you, Peter, was an accident? Do you have any idea? Toute l'ambiguïté et les tourments du personnage sont gommés, la faute notamment au rôle-titre Andrew Garfield, qui a ma foi une belle petite tête à claque et un jeu d'acteur digne d'une série brésilienne. Je passerai sur le méchant du film, aussi crédible qu'un vilain tiré de la série Musclor, et sur la musique de James Horner qui a dégainé sa photocopieuse pour habiller tout ça du pire de Titanic ou Karate Kid. Difficile de lui reprocher ce manque d'investissement. Vous trouverez les horaires du cinéma Capitole sur www.capitole-nyon.ch. Cette émission touche à sa fin, merci de votre fidélité. Nous nous retrouvons le jeudi 30 août pour un nouveau numéro d'Arobase. D'ici là, profitez de nos rediffusions et surtout de votre été. Je vous rappelle qu'outre le Paléo, vous pourrez également vous régaler au Festival Titude de Saint-Georges qui programme notamment des musiciens de la région.
Le festival ouvrira ses portes le 25 août et plus d'informations sur festivaltitude.ch. Passez un bel été et à très bientôt.